Salut tout le monde et bienvenue pour l'unboxing de mon nouveau PC. Hein. Alors j'ai regardé un petit peu comment il faisait. Alors moi je vais faire exactement les vidéos comme les gros high-techers et faire le buzz avec mon ordi quoi, tu vois. D'ailleurs je vois déjà le titre, hein, c'est waouh, mon PC à 15 millions. Alors on va analyser directement l'emballage, hein, qu'on va perdre 10 minutes là-dessus, mais visiblement c'est comme ça que ça se fait. Faut respecter les règles. Hein. Pas déconner non plus. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce carton, quoi? Il est en carton. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Des superbes arêtes, magnifiques. Là, ouais, c'est doux, vraiment, ça passe bien sous la main. C'est rien. Ce qu'il y a dedans, on n'en a rien à foutre. Hein. Je vous fais voir aussi la face arrière. Ah ouais, non, c'est superbe. Ça donne pas envie de le déballer, tellement le carton est beau, quoi. Et maintenant, bah, on va continuer à perdre notre temps, hein, comme tous les autres, quoi. Et puis, bah voilà, donc j'ai pris mon mètre fétiche, hein. Et puis, bah, on va commencer à mesurer un petit peu le carton, tu vois. Et puis, bah, alors, c'est parti. Ferme ta gueule! En fait, bah, ce que je vais faire, je vais plutôt me contenter de vous passer quelques images de cet ordinateur et puis en même temps, je vais vous donner la liste des composants qu'il a à l'intérieur. Mais par contre, je donnerai pas le prix de cet ordinateur parce que d'une, bah, je trouve que ça sert à rien et puis c'est de toute façon trop cher. Mais de toute façon, comme je vais un petit peu vous détailler les composants de cet ordinateur, bah, pour ceux qui ont envie et puis qui ont le temps, vous aurez qu'à aller chercher, ça vous donnera une petite idée du prix que ça peut coûter. Alors, bah, la liste, je l'ai sous les yeux, donc bah, je vais me contenter de vous la lire parce que moi, je suis pas un professionnel de l'informatique. Loin de là. Je me suis énormément renseigné avant de composer cet ordinateur, donc je sais exactement quand même ce que j'ai dedans, mais à la base, j'y connais rien. Et puis en plus, pour la plupart des éléments, c'est des noms à rallonge dont j'ai pas du tout envie de retenir le nom. Ce qui m'intéresse, c'est leur efficacité. Alors, ceci étant dit, on va commencer par le boîtier. Et le boîtier, il vient de chez Fractal, c'est un design de Fine, avec un des côtés en verre trempé. Est-ce que je prononce bien ça, j'en sais rien, c'est ce que je lis là-dessus. Ensuite, dans ce boîtier, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Bah, ce que j'ai demandé. Pour commencer. Et donc un processeur Intel Core i9-9900K. La carte mère, c'est une Asus Plus Gaming Z390. Là-dessus, j'ai mis 64Go de RAM de chez Corsair, le modèle Vengeance LED. J'essaye de détailler au mieux pour les connaisseurs. Avec ça, j'ai mis la dernière carte graphique GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G. Donc là, c'est vraiment du lourd. Et puis pour la mémoire interne, j'ai mis un disque SSD de 1 Tera et puis un disque HDD de 1 Tera. Voilà, ça ce sont les termes techniques de cet ordinateur. Et ce que je peux vous dire, c'est que d'après les premiers petits essais que j'ai fait, bah, c'est vraiment une balle. Ça va très très vite et en plus c'est très silencieux. Et puis bah, c'est plutôt sympa à regarder. Voilà, maintenant j'ai de quoi bien m'amuser, ça c'est clair. Alors bah, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis bah, à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.